Ça vient. Alors, chers amis, connectez-vous. Voilà, nous sommes ici au stade olympique de Mbembe. Au stade olympique de Mbembe. Nous sommes au stade olympique de Mbembe. Je vous avais tous dit que je venais à Abidjan pour vous présenter les réalisations du président Alassane Ouattara. Voilà, je vous ai dit que je venais ici pour vous présenter. Non, il faut fermer les mains. Pour vous présenter les réalisations du président Alassane Ouattara. Après Félix Houphouët-Boigny, il reste aujourd'hui dans l'histoire l'un des grands bâtisseurs. Il reste l'un des grands bâtisseurs dans l'histoire. Tout à l'heure, vous allez voir notre magnifique stade de Mbembe. Un stade de 60 000 places. Ça dépasse maintenant Félix Houphouët-Boigny. Voilà la politique que Zasso veut. Voilà la politique que nous devons encourager en Afrique. C'est-à-dire que nous vivons en Europe ou partout, on doit encourager les Africains bâtisseurs, des leaders bâtisseurs, des leaders qui ont une vision et qui ont un rêve pour l'avenir de leur pays. Chers amis, je vais vous montrer, je vous ai déjà montré, je vous ai dit que depuis Suisse, d'ici, il vient ici là. C'est pour vous montrer ce que le président Ouattara prend. Je vais prendre tous les risques pour vous montrer. Voilà, parce qu'il faut que le monde entier, c'est-à-dire tous nos amis du monde entier, sachent véritablement que dans notre pays, il y a des grands chantiers qui sont lancés par le président Alassane Ouattara. Par le président Alassane Ouattara, il a lancé de grands chantiers. Ces chantiers-là, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir, c'est pas le seul stade. Il y a eu assez de stades qui sont en train d'être réhabilités. Cher ami, je sais pas. Voilà, assez de stades qui sont en train d'être réhabilités. Il y a celui de Yamoussoukro. Il y a celui de Korogo. Il y a celui de Boaké. Celui de San Pedro encore. La réhabilitation du stade Houphouët-Boigny. Il y a aussi la réhabilitation du stade Houphouët-Boigny. Mais maintenant, on va vous montrer le grand stade. Alors, chers amis, partagez la vidéo à tous vos amis, sans exclusion, en ordre comme en désordre, envoyez à tout le monde. Dites-leur que Zasso dit. La Côte d'Ivoire en marche. Donc, après on parlera de l'actualité politique. Parce que depuis un certain moment, des gens sont excités, les gens crient partout, partout. De toutes les façons, nous on est serein. On est serein, tout est bouclé. Voilà, au niveau de la stabilité, tout est bouclé. Voilà. Donc, soyez serein. Alors, il y a un grand stade ici en construction. Le stade de Mbembe. C'est-à-dire, après Houphouët-Boigny, le président Ouattara est en train de construire un grand stade. Je vais vous montrer ça. Donc, partagez la vidéo à tous vos amis. Dites-leur que Zasso veut nous montrer encore l'une des réalisations du président Alassane Ouattara. Parce que les gens parlent trop. On dit c'est faux. Moi, je suis venu ici pour vous montrer. Vous-même, là, vous êtes conscient que Zasso est sur le terrain. Et Zasso est en train de nous montrer les merveilles du chef de l'État. Voilà, ensemble, on va l'encourager. On va le soutenir jusqu'en 2020. Voilà, puisque lui-même, il nous rassure matin, midi, soir que en 2020, il va passer le pouvoir à notre génération. En tout cas, moi, notre génération, nous, on est déjà debout. On a déjà saisi le mot du président de la République. On le bénit, nous, on l'encourage pour que déjà 2020 approche, pour qu'il soit à côté de nous, va nous regarder, va dire, bon, c'est comme ça, vous allez faire, c'est comme ça. Il va devenir notre conseiller, le père spirituel, à partir de 2020. Là où dans d'autres partis politiques, des gens ont 86 ans, ils ne veulent pas céder le PDCI-RDA. Ils veulent revenir au pouvoir pour... Qu'est-ce qu'ils ont... Ils disent veulent le pouvoir pour faire quoi? Bâtir quoi? On dit les gens veulent venir au pouvoir. Bédier veut revenir au pouvoir pour bâtir la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vont lui dire non. Gbagbo va venir nous sauver. Bédier va venir nous sauver. Des gens qui ont déjà gouverné ce pays qui n'ont rien fait. C'est eux qui vont venir nous sauver. Vraiment, il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut que nous, les Africains, on apprenne à se prendre au sérieux. Non, chers amis, tout à l'heure, vous aurez le stade. Le stade de notre grand leader, le président Ouattara. Le grand bâtisseur. En tout cas, moi, je suis au pays, ce que je vois ici, là. Ça me rassure pour 2020. Et allez-y, dis à tous ceux qui planissent ces derniers jours, là, que nous, là, on est passé à autre chose. On...
Mais tu vas me dire quoi? Si je te coupe, tu laisses tomber là. Hein? Tu attends que je te rappelle. Alors, chers amis, donc vous allez voir votre stade tout à l'heure. Un beau stade. C'est construit par... Je vous ai dit que dans ce pays-là, un chef d'État dans ce monde qui réalise, qui arrive à bâtir, c'est un chef d'État à qui le monde a confiance. On ne confie plus les pays aux gens à qui on n'a pas confiance. Quand dans un pays, les investisseurs rentrent, les hommes d'affaires rentrent, c'est qu'au plan national comme international, les gens ont confiance en ce chef de l'État. Les gens croient à ce chef de l'État. Il n'y a que ce chef de l'État qui peut apporter plus de stabilité et de paix. Un président qui est au pouvoir et puis l'argent rentre, les investisseurs rentrent, c'est un président crédible. Après Houphouët-Boigny, on n'a plus connu de président crédible. La Côte d'Ivoire n'a pas connu des hommes d'État crédibles. On a connu des gens qui sont venus créer des palabres inutiles, qui ont passé leur temps à se battre et qui ont passé leur temps à ne rien faire, à rester dans des slogans et la Côte d'Ivoire rester dans une certaine précarité. La conséquence là, c'est ce qui est aujourd'hui là. Est-ce que vous comprenez? Donc le président Ouattara a compris qu'il faut aller à l'essentiel. C'est ce que je vous dis toujours que la politique là, c'est d'aller à l'essentiel. Travailler. Si tu n'as pas travaillé là, ce n'est pas la peine d'accuser les gens. Au plan de la sécurité, la Côte d'Ivoire est stable. Au plan de développement, en tout cas, c'est de grands chantiers. Donc vous aurez le stade tout à l'heure, dans une minute. Pendant ce temps, je vais mettre Abedendré. Mets le son. Mets le son, la tigresse. Mets la tigresse Sidonie. Le stade d'Mbembe Olympique, 60 000 places. Vous aurez le stade tout à l'heure. Joli garçon. Salut les Ivoiriens. On va vous montrer le stade. Med, président Alassane Ouattara, envoyez à tout le monde, les Camerounais, les Congolais. Envoyez ça à tout le monde, Camerounais, Congolais, tout le monde. Tous ceux qui m'ont dit en Suisse, si tu rentres là, pardon, il faut nous montrer. Parce que les gens là, ils sur les réseaux sociaux, ont dit non, le président Ouattara ne fait rien, que tout ça c'est photo, c'est photo. Donc moi là, je ne suis plus dans le débat de photos. Je vais venir vous montrer ce que le président fait. Pour que chacun prenne conscience, tous ceux qui crient, qui se disent opposants politiques là, ils n'ont rien foutu dans ce pays. Tous ceux qui se disent opposants là, ils n'ont rien foutu dans ce pays. On a donné le pays à Bédier, il n'a rien foutu. On a donné le pays à Laurent Gbagbo, il a fait ce qu'il pouvait faire. Soro Diom, on lui a donné une partie de la Côte d'Ivoire, il a détruit le Nord, il n'a rien fait. Aujourd'hui, il y a de l'espoir. Le pays en mouvement, le pays en chantier. Chers amis, vous aurez le stade, un beau stade. Un beau stade. Sous le président Ouattara, tous les investisseurs rentrent en Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires sont là. J'ai dépassé des cimenteries tout à l'heure. Des merveilles. Chers amis, je dis, en Côte d'Ivoire, le pays bouge. Arrêtez de vous laisser distraire par des aventuriers politiques. Des gens qui n'ont pas de rêve pour la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont échoué et qui n'ont rien foutu. Quand on a échoué, on a échoué. On ne prendra plus la Côte d'Ivoire pour donner aux gens qui veulent se rattraper, non. On est, ici, là, c'est un État, c'est une République. Le président a beaucoup investi. Chers amis, notre pays a tellement investi que 2020, là, je vous dis, je le répète, je souhaite, et mon rêve, c'est que la Côte d'Ivoire soit dirigée comme la Russie. On va diriger la Côte d'Ivoire comme la Russie. On veut faire de ce pays un grand pays. On ne va pas donner ça à n'importe qui. Aux hommes crédibles, responsables, des hommes de réseau, des hommes qui ont un vrai rêve. Donc, vous allez voir le stade. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Mets le son. Mets le son, on va montrer. Partagez la vidéo. Le stade de Mbappé. Mais le président Alassane Ouattara. Houphouët s'est pas trompé. Houphouët-Boigny s'est pas trompé. Il a su faire confiance au président Ouattara.
Si au début on ne l'avait pas combattu, si on ne l'avait pas combattu depuis longtemps, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui un grand pays. On a passé notre temps comme des démons, comme du diable, à combattre un grand monsieur comme ça, au plan international, qui est respecté, qui est connu partout. On a passé notre temps comme des villageois à bloquer l'avenir du pays, à faire des palabres inutiles, raconter du n'importe quoi. Aujourd'hui, là, venez voir ce qu'il est en train de faire. Mais comme Dieu sait faire les choses, chaque chose a son temps. Voilà, il est venu, il passe à autre chose. Le président Ouattara va à l'essentiel. Il lui reste 2 ans pour encore finir nos stades. Après, on va mettre quelqu'un qui va continuer son travail. C'est-à-dire parmi les personnalités qui sont là. Nous, moi, j'ai déjà une idée de la chose. Hein. Parmi toutes les personnalités qui sont là, au sein du RHDP, on va chercher le meilleur. Mais un jeune, je préfère que, je dis toujours, il faut que ça soit un jeune. Quelqu'un de notre génération. Un jeune bosseur. Un jeune qui a pu travailler, qui a porté beaucoup pour ce pays. On va le prendre, surtout la jeunesse va se mobiliser. Parce que 2020, ça sera un grand débat de la jeunesse. C'est à nous la jeunesse, puisque nous faisons déjà 90% de l'électorat. On va ouvrir un débat, mettre notre ami jeune, quelqu'un qui va sortir de nous, on va lui confier ce pays pour continuer les grandes actions de développement lancées par le président Ouattara. Chers amis, préparez-vous, hein, parce que j'arrive. 2020, là, ça va nous revenir. On va aider nos aînés à aller à la retraite. Ils vont aller à la retraite. C'est pour ça que moi, j'ai dit, Dieu n'a qu'à bénir le président Ouattara, parce qu'il a compris. Il dit, on va aller se reposer et puis on va vous confier la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, on va aider Soro Diom, Bédier, Laurent Gbagbo et autres. Ils vont prendre leur retraite à partir de 2020 parce qu'ils ont créé trop de désordres dans ce pays. Ils ont créé trop de conflits, ils n'ont pas développé, ils n'ont rien foutu. Ils ont créé la merde. Aujourd'hui, là, on va maintenant choisir des gens qui vont poser les bases de vrai développement de notre pays. Alors, cher ami, mets le son. C'est 1000 emplois directs. Vas-y, frère. 1000 emplois directs, hein, et près de 3000 emplois indirects. Et toute cette jeunesse que tu vois là, la construction du stade déjà les occupés au moins pendant un an. Mais actuellement, les jeunes travaillent. Actuellement, voilà. Si vous voyez, il y a du monde. Hein. Et c'est partout comme ça. Il y a du monde, il y a Msokro partout. Actuellement, les gens sont au travail. 3000 emplois voilà. Indirects. 3000 emplois voilà. Indirects. Hein. Actuellement, regardez, au chantier, il y a du monde. Hein. Les gens travaillent, les gens travaillent. Les gens travaillent. C'est un régime qui fait beaucoup d'efforts pour amener les Ivoiriens à travailler. Seulement, notre rêve, c'est d'avoir une opposition civilisée, responsable. Une opposition civilisée, responsable, qui aime la Côte d'Ivoire. Parce que les opposants en Europe, là, eux, ils participent au développement et à la stabilité dans leur pays. Chez nous, l'opposition, c'est de mettre en place des systèmes de déstabilisation, créer le désordre, et puis on va leur donner des postes ministériels. Ils vont venir rentrer dans le gouvernement, ils vont passer par la fessi, les étudiants, ils vont jeter les enfants à l'école. On dit ne partez pas à l'école, battez-vous avec la police, la gendarmerie. On ne fait plus le bilan des fessi qu'on a connu pendant combien d'années, depuis au temps du Feu Boigny. On ne s'assoit pas pour faire le bilan, faire asseoir nos enfants pour leur dire allez-y à l'école, sortez des jeux des enseignants. Pas les enseignants, là, ils sont politisés. Alors nous, on va vous montrer le stade, chers amis. Hey, le stade, mais ils vont voir le stade. Joli stade. Hein. Joli stade. Hein. Club. Salut mes amis. C'est au Côte d'Ivoire d'où? Le pays est bon. Merci au président de la République. Merci au président Alassane Ouattara. Le stade Mbappé, l'une des réalisations du président Alassane Ouattara. Ok, bon, on va voir le stade. On va voir le stade. Allez, oh. Hey, yo, yo. Le stade est derrière nous.
Le stade est derrière nous. Chers amis, c'est une merveille. Quelque chose de beau. Quelque chose de très très beau. Vous voyez, 60 000 places. C'est du balèze, c'est pas de l'amusement. Vous voyez le grand stade? Voilà, voilà. Vous avez vu? Ça, ce sont les réalisations du président Alassane Ouattara. Envoyez ça aux Camerounais qui passent leur temps à raconter du n'importe quoi. À tous ceux qui bavardent là. 60 000 places, s'il vous plaît. Voilà. 60 000 places, s'il vous plaît. Ça crée beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois, les jeunes sont au travail. Voilà la Côte d'Ivoire dont on rêve. Voilà la Côte d'Ivoire dont Zasso rêve. Voilà la Côte d'Ivoire que Zasso veut. Voilà la Côte d'Ivoire que Zasso veut. C'est de ça. Voilà le combat de Zasso. Faisons de notre pays comme les autres pays des pays anglophones. Le Ghana, le Rwanda et le Kenya sont en plein développement aujourd'hui. Alors nous allons encourager le chef de l'État. Nous allons l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Nous serons avec lui jusqu'en 2020, jusqu'à ce qu'il nous passe le pouvoir en 2020. Nous, on est pressés. Voilà, parce qu'il nous a formés. Voilà, pour ceux qui ont peur, dites-le que le président nous a formés. Nous, on est déjà formés. Il peut nous faire confiance. Alors, chers amis, voilà le stade. Il est beau. Il est très beau. Voilà, c'est pour vous dire que le pays est au travail. Voilà, ici, ça travaille. Les choses avancent bien ici. Il n'y a pas de problème ici. Voilà. Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai pris mon billet pour venir vous montrer. Voilà. Comme ça, vous n'allez plus écouter les plaisantins des réseaux sociaux qui bavardent. Le président Ouattara ne fait rien. Eux là, ils étaient dans le pays, ils ont fait quoi? Ils ont gouverné le pays, ils ont fait quoi? Ils ont eu des mandats ici, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Des égoïstes comme ça qui pensent à eux seuls. Hein? Ils veulent des égoïstes. Ils croient qu'ils vont nous distraire. Mais ils ne vont pas nous distraire, chers amis. C'est pourquoi on doit former un bloc. Salut les gars. Soyez salués, chers amis. Soyez salués. Voilà, ils ne vont pas nous distraire. Regardez les emplois. C'est beau. Vous voyez comment c'est joli. C'est un grand stade. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, soyez confiants. Nous avons un chef d'État. Le seul le seul chef d'État crédible après Oufoué Boigny. Voilà. Il y a des gens qui ont dit on a essayé. On n'essaie pas un pouvoir. Quand tu es au pouvoir, tu fais ou tu ne fais pas. Voilà. Il y a des gens qui sont venus, ils ont essayé, ils ont détruit le pays. On n'essaie pas avec un pays. Quand tu es dans l'opposition, tu prends le pouvoir, tu viens, tu travailles. Si tu n'as pas d'argument, tu n'as pas travaillé, qu'il y a eu des rébellions, il y a eu des coups d'État, chers amis, c'est un échec. Des leaders qui sont au pouvoir et qu'il y a des rébellions, il y a des coups d'État, c'est un échec. Voilà, on est au pouvoir pour protéger le peuple. On est au pouvoir pour défendre le peuple. On est au pouvoir pour développer. Regardez ça. Chers amis, on est au pouvoir pour ça. Voilà. Donc, chers amis, envoyez la vidéo à tous vos amis camerounais, congolais, tout le monde. Partagez-les. Dites-leur que Zasso Abidjan, il est en train de nous montrer toutes les réalisations du président Alassane Ouattara. Voilà. Vous voyez, c'est un défi que je me suis lancé. Merci, big up à tous mes amis camerounais qui ont commencé à comprendre. À tous mes amis gabonais, merci à vous tous. Merci pour vos messages de soutien. Voilà, merci pour vos messages de soutien. Ce que je le fais pour mon pays parce que j'aime mon pays. C'est ça, un bon patriote. Un bon patriote, un bon citoyen, c'est d'accompagner tous les systèmes politiques. Voilà, il n'y a pas à faire de se replier sur lui, être proche ici, être proche là, c'est de l'ignorance, ce n'est pas de la politique. Voilà. Tout citoyen doit accompagner tous les régimes politiques. Surtout ceux qui veulent travailler. Ceux qui veulent travailler dans l'intérêt, nous-mêmes dans notre intérêt et dans l'intérêt de nos enfants. Dans les pays de l'Europe où nous vivons là, c'est comme ça se passe. L'opposition, comme le pouvoir, même l'opposition participe. L'opposition est impliquée dans la stabilité, la paix dans leur pays. Ici, nous, on a beaucoup de retard parce qu'on est dans des problèmes inutiles, dans des palabres inutiles. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur poste. Alors qu'avant eux, il y avait des gens qui étaient là qu'on enlevait et on leur a donné ce poste.
On a enlevé des gens pour leur donner des postes. Aujourd'hui, ils ont perdu des postes, ils ne veulent pas qu'on respire. Ils veulent revenir au pouvoir pour s'enrichir. Ils veulent qu'on leur donne le pouvoir pour devenir riches. Chers amis, tous ceux qui parlent du pouvoir, là, ils veulent devenir riches, il n'y a rien. Dites-leur que Zasso dit, vous avez déjà occupé des fonctions dans ce pays. Tous ceux qui se disent opposants dans ce pays ont déjà gouverné ce pays. 2020, on ne leur donnera plus la Côte d'Ivoire. Ah oui, on ne leur donnera plus la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont déjà fait leur part. On va essayer d'autres personnes en 2020. Il faut qu'en Afrique, nous changeons de mentalité. Il ne faut pas que nous passions notre temps à encourager des gens qui ont déjà échoué. Chez les Blancs, quand tu as échoué, tu prends ta retraite. Eux, on met de nouvelles équipes. Justifier les échecs des gens, ce n'est pas ça la politique. Voilà, on ne joue pas avec la politique, on ne joue pas avec le pouvoir. Alors, chers amis, c'est notre stade, ça. Ouais, comment tu vas, mon ami? Ça va? Ça va bien, les gars? Je suis venu montrer le stade, notre stade. Voilà, bah, les gens, ils parlent trop, là. C'est notre stade, je suis venu montrer. Depuis un certain temps, je montre une série de réalisations. Voilà, toutes les réalisations du président Ouattara. Bebeto, comment tu vas? Viens me saluer, mon ami. Hein, tu es venu voir le stade avec moi. Ouais, il est sur Facebook, et lui, c'est Bebeto. Ouais. C'est Bebeto, ouais. Il est sur Facebook. Il est venu me rejoindre. Ouais. Voilà, je suis là, on est venu accompagner le président, dire félicitations au président Ouattara. Tout à fait. Lui dit de ne pas écouter les pleurs de ses opposants-là. Les opposants-là, c'est des enfants gâtés. Oufou les a gâtés, il croit que nous, on va rester dans ça. Voilà, on ne va pas rester dans ça. Les enfants gâtés qui pleurent matin, midi, soir, ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Chaque jour, c'est eux qui pleurent. Donc, moi, je vous montre déjà le travail du président Ouattara. Son Excellence, le président Alassane Ouattara. Voilà, le seul président crédible. Depuis qu'il est là, là tous les investisseurs sont là. Plus de 1500 entreprises créées. 1500 entreprises. Notre pays est visité, notre aéroport là, plus de 1 500 000 personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire par an. Aujourd'hui, on investit 60 milliards. Le ministère des Affaires étrangères, le ministre Amontano, nous a dit qu'on investit 60 milliards pour soigner l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des grandes nations. Parce qu'on a eu des ministres des Affaires étrangères qui ont fait un excellent travail. Et aujourd'hui, notre pays est bien parti. Au plan international, c'est crédible. Tout est bon. Voilà, tout est bon. Non, chers amis, c'est le stade qui est là, le beau stade. Voilà, le pays est en chantier. On dirait à Paris. La Côte d'Ivoire est en chantier, on dirait à Paris. Montrez-leur. Dites-leur que le président Ouattara travaille. Il ne parle pas beaucoup. Lui, là, il ne parle pas beaucoup. Le président Ouattara, là, il ne parle pas. Il y a des gens, on a commencé à verrouiller dans deux jours, là. Les gens, ils parlent. Ils ont dit non, ils vont parler avant qu'ils ne meurent. Ils n'ont qu'à parler. Ceux qui veulent parler là, ils n'ont qu'à nous dire ce qu'ils ont construit à Boaké. Boaké qu'on leur a donné là, ils n'ont qu'à venir nous parler de ça. Alors, chers amis, voilà la rentrée principale. Voilà la rentrée principale. Vous voyez comment c'est joli? Il faut faire la promotion de ce qui est bon. Faisons la promotion de ce qui est bon. Chers amis, faisons la promotion de ce qui est bon. Quand le gouvernement travaille, il faut dire le gouvernement travaille. C'est vrai, il y a des choses, mais pour le moment, ça c'est bon. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est bon. Voilà. Donc, c'est notre stade qui est là. On va faire le petit tour. On voit la voiture. Venez, on va faire le petit tour. Ils vont voir. On va tourner comme ça un peu. Voilà, les Africains, ils vont voir. Après ça, je vais encore vous montrer le quatrième pont. Ah oui, je suis là pour vous montrer tout, hein. Je suis là pour tout vous montrer. Voilà, et puis on va mettre fin au débat inutile. Voilà, les égoïstes qui pleurent là, nous on va sortir de leur petit jeu. Les mêmes gens, depuis combien d'années, ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui deviennent riches matin, midi, soir. Quand on les enlève à leur poste, c'est eux qui font du chantage. Allez-y, dis à Diom Soro que Zasso dit tu as gouverné la Côte d'Ivoire avec Gbagbo pendant 8 ans. Tu as eu 8 ans au nord. Si tu veux parler là, il faut parler. Mais il faut savoir que pays là, tu ne vas pas sortir de ce pays. On va rester ici pour régler les problèmes. Voilà. Ça commence à pleurer, les Franklin, Yamsi, tout le monde pleure.
Moi, je vous ai dit, c'est le président Ouattara, il ne parle pas beaucoup. Et puis, il ne va pas vous répondre, mais lui, il va poser des actes. Voilà, donc on y va. Ou bien je monte sur la moto. Voilà, pour monter un bébé. Voilà, je suis un bébé. Voilà. Je suis avec bébé sur la moto. Ici, c'est Agnama. Ici, c'est Agnama. Ici, c'est Bimpe. Voilà. Bimpe. Nous, on dit merci au président Hassan Ouattara. Voilà. N'importe qui, parce que depuis la venue au pouvoir, vous connaissez, on ne dit pas. Allons, voilà. Bébé. Voilà, c'est le stade. Voilà, ici, voilà, regarde devant, faut pas te attendre. Voilà, donc nous sommes à Niama, nous sommes sur le chantier. Le RHDP. Voilà, nous sommes sur le grand chantier. On va montrer le stade, on fait un peu le tour. Voilà, on fait le tour, comme ça, ils vont voir le stade. Mes parents camerounais vont voir ce qui se passe dans ce pays. Voilà, je suis là pour vous servir. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. Voilà, c'est maintenant si les gagnants parlent, moi, ça, je parle aussi. Si les Congolais. Voilà, on est sur le chantier. On est sur le chantier, le chantier. Si les gagnants parlent, ça se parle aussi. Ils montrent là, ils marchent, je montre aussi pour moi. Voilà. Voilà, donc ici c'est de l'autre côté. Voilà, ça c'est de l'autre côté du stade. Notre stade, maître président Alassane Ouattara. 60 000 places. C'est quoi, hein? C'est du balèze. Voilà, je suis sur la moto de Bebeto. Je suis sur la moto de Bebeto. Ouais, on dit pas. On dit pas. C'est Dieu qui est dedans. Dieu est dedans, on dit pas. Voilà, on dit pas, il y a Dieu dedans. Voilà. Donc c'est notre stade qui est là. C'est beau, hein, c'est beau. C'est beau. C'est du balèze. C'est du balèze, c'est du balèze. Voilà. C'est du balèze. Ok, donc bébé, toi, on va s'arrêter ici. Voilà, il faut ralentir. Voilà. Alors, chers amis, comme je vous l'avais promis, voilà, ça c'est l'autre côté du stade, de notre stade, que le président Ouattara est en train de nous construire. Voilà, ce n'est pas le seul, il est en train de réhabiliter beaucoup de stades. San Pedro, Yamsokro, tout le monde, il est en train de faire un excellent boulot. Parce que les gens ont confiance en lui, tout le monde est là. Il y a des gens qui disent, allez-y, prends crédit, on va vous voir. Dans ce monde-là, ce n'est pas tout le monde qui donne crédit. Hein. Pourquoi on te donne crédit là? Il faut être crédible d'abord. Si tu n'es pas crédible, là, tu as beau parler, on ne va pas te donner. Voilà. Tu as crié, crié, ils ne vont pas te donner. Voilà, donc, mon frère Izzy, tu as quelque chose à dire? Oui, mon frère Izzy, ouais, Serge Izzy. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà, il fait partie du nouveau mouvement politique qu'on appelle... Nouvelle génération 2020, oui. Pour apprêter le mot au chef de l'État, le président effectivement, Ouattara. Effectivement. Voilà, le mouvement est lancé, président, génération je voulais, 2020. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, il faut parler aussi. Je vais d'abord parler de la situation géographique du stade. Voilà, vas-y. Le stade est situé entre deux communes, Mati quand même. Mm-hmm. Nous savons tous que la crise faut qu'a regarder, vécu... Il faut regarder ici, voilà, faut pas me regarder. Nous savons tous la crise qu'a vécu notre pays. Mm-hmm. Et vous voyez que le stade est situé entre la commune d'Abobo... On peut rentrer. Et la commune de Yopougo. On voit la moto. Voilà, la commune d'Abobo et la commune de Yopougo. Uh-huh. Et ces deux communes qui ont vraiment souffert de la crise qui passe le travail ici en Côte d'Ivoire. Uh-huh. Ça va venir vraiment donner un nouvel élan à ces deux quartiers-là. Uh-huh. Ce stade aussi, il faut le dire, vous savez, président Zasso, ici en Afrique, vous savez uh-huh. l'impact qu'a le sport sur l'Africain. L'Africain. Mais principalement le football. Uh-huh. Le football ici en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, quand il y a un match de football, il n'y a pas histoire de parti politique. Il n'y a pas de parti politique. De FBI, de oui, quoi, oui. De Laurent Gbagbo, de Alassane Ouattara. Oui. Et quand il y a un match, là, on se retrouve tous et on regarde le match ensemble, on crie ensemble. Donc pour nous, qui sommes jeunes, quand on est né là, le stade que nous on a connu là, c'est le stade Félix Faubourg. C'est le Foué Boigny qu'on a connu depuis on est né. On n'a pas connu la construction des stades de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Gbagbo et Bédier n'ont pas nous, construit le stade. C'est normal qu'on voit aujourd'hui la construction d'un stade, on voit comment les stades se construisent, on voit comment ça se fonde. Voilà. Pour nous, c'est quelque chose de grand. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là pour voir. Voilà. Pour que l'histoire, là, on ne voit pas que l'histoire c'est ok, trop, donc on va monter rapidement. Hein. On voulait souligner, voilà. C'est ça. Voilà, vas-y, allume la moto, on va voir un peu à côté. Voilà. Ils vont voir, les Ivoiriens vont voir. Voilà, les Africains vont voir. Je suis un bébé tôt. On a notre moto, alors bébé tôt, alors. Bébé tôt, j'ai pas. Bon, alors. C'est bon? Oui, alors bébé tôt. Voilà, je suis avec bébé tôt. On dit pas. On dit pas, nous sommes un bébé. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans dans le stade. Ah, doit être une bénédiction pour voilà, on doit. On va nous protéger tous ceux qui sont en train de
ton président aura affaire à nous. Inch'Allah. Voilà, parce que quand quelqu'un travaille, il faut le protéger. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on est tous assis aussi. Voilà. Voilà, allons tout droit. Ah non, le stade. Hein. Voilà. Chers amis, le stade. Essaye à lui. Voilà, ici à Bebeto. Voilà. Il avait eu regardé, visiter. Voilà, il faut que je regarde, voilà. Il faut que je regarde. Vous aussi, venez sur le terrain. Ils vont venir, venez. Frère, merci à vous, Zasso. Wow, merci, frère. Y a pas de... Merci. C'est Dieu qui va te bénir. Amen. Ah, c'est Dieu seulement qui va te bénir. Tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui va te bénir. Le travail que tu fais pour Alassane Ouattara, nous, on ne peut rien te donner. On ne peut pas te remercier. C'est Dieu seulement qui va te bénir. Merci. Merci infiniment pour tout. Merci. Les Ivoiriens sont tous. Alors, chers amis, voilà le stade. Voilà. Nous sommes à proximité. Je suis maintenant, je vais toucher le stade. Je vais toucher le stade. On dit le président Ouattara ne travaille pas, des sorciers comme ça là. Il ne travaille pas où? Venez voir. C'est quelle sorcellerie ça? Chez nous les bêtises, on appelle ça Gbizigou. On appelle ça Gbizigou. Alors, chers amis, un joli stade. Regardez les gars, regarde, j'ai touché. Le stade du président Alassane Ouattara. Chers amis, le stade. Je suis à côté du stade. Je suis content parce que mon pays est en plein sentier. Mon pays est en plein sentier, je suis content. C'est ce qu'on appelle un régime politique. Voilà, c'est ce qu'on appelle un régime politique. J'ai touché les faits du stade. Voilà notre stade. Voilà les faits. Connectez-vous. Voilà. Connectez-vous. Je suis là. Salut. Viens, Zassou. Aïe! Ah bon? Viens. Mon Dieu, mais le président Ouattara, mais dis donc! Chers amis, s'il était vite venu, les sorciers là, ils ont tout fait. Oufoué avait bien vu. Ici, c'est le stade. Vous savez? Voilà. On est là. Wouh! En tout cas, le président Ouattara fait un excellent boulot, chers amis. Regardez l'intérieur du stade. Comment c'est beau! Un excellent boulot! Chers amis, je suis dedans! Viens. Mais là-bas, on ne voit pas. Viens. Mais où on va passer par là? Viens. Non, attends, je vais d'abord montrer l'intérieur comme ça. Ils vont voir. Parce qu'ils sont là-bas, les gens, ils parlent. Je suis avec le grand. Chers amis, je suis dans le stade! Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tous vos amis camerounais, congolais, tout le monde. Je suis avec les grands. Je suis dans le stade. Voilà notre stade en pleine construction. Notre stade. Notre stade en pleine construction. Voilà la Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara. Vous voyez, un excellent boulot en train d'être battu ici par une équipe. Un grand merci à vous. C'est des gens qui travaillent. Voilà. C'est des hommes et des femmes Inch'Allah. Qui travaillent pour ce pays. Merci à tous. C'est ça, les dignes fils. Se mobiliser pour apporter un plus à leur pays. Apporter le développement à leur pays. C'est ça qu'on appelle les dignes fils. Les vrais hommes politiques, c'est ça. C'est réaliser les routes et les ponts. C'est ce qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. C'est notre rêve, ça. C'est pour ça que je dis 2020, ce sera un débat très important. 2020, c'est bouclé, c'est géré. Ce pays-là, on ne va pas donner à n'importe qui. Tout ça là, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent. On ne va pas donner ce pays aux plaisanteurs. On ne va pas donner ce pays aux comédiens. On va donner la Côte d'Ivoire aux hommes qui ont un rêve, qui ont un projet de société, qui ont un programme de gouvernement, qui ont un rêve pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, j'étais dans le stade, je voulais vraiment vous dire merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Merci à tous ceux qui travaillent ici. Merci aux ingénieurs. Merci à toute l'équipe. Mille merci à vous tous, chers amis. Merci pour tout ce que vous faites là pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le grand rêve. Chers amis, c'est beau. Par où on passe? On passe par là? Donc, mon Dieu, merci infiniment. Merci, tu as fait ta part. Merci. Il faudrait que les gens sachent que dans notre pays, ça travaille. Il y a même des régions ici au stade. Ça travaille. Voilà. Les gars, un grand merci à M. Zasso.
pour tout ce qu'il fait pour le président Hassan Ouattara, pour tout ce qu'il fait. Les voilà, gens, maintenant il n'y a pas de débat, il n'y a pas quelqu'un qui a dit maintenant, Az, ils diront qu'Az, il n'y a plus quelqu'un qui va parler ici. Alors, chers amis, vous aurez demain le quatrième pont. Merci à vous tous. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Partagez, 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 partagez. Ne gardez pas, montrez au monde entier que la Côte d'Ivoire au travail. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent distraire les Ivoiriens. Il y a certaines personnes qui veulent distraire la communauté internationale. Qui veulent distraire les Ivoiriens de la diaspora. Par leurs discours, par leurs propagandes et manipulations. Voilà, ils veulent distraire les gens. On ne va pas se laisser distraire. Parce que ce pays-là, chacun de nous a des problèmes. Chacun de nous a posé des actes. Chacun de nous est responsable de quelque chose. Donc on doit maintenant se ressaisir et donner la chance à ce pays. Parce que dans ce pays, il y a nos enfants, il y a nos frères, il y a nos cousins, il y a tout. On ne doit plus laisser les voyous nous distraire. Chers amis, c'est pourquoi je vous envoie cette vidéo. Mille merci, voilà le stade. Mille merci au gouvernement. Mille merci au chef de l'État, à toute son équipe. Voilà, c'était Zasso, Patrick, dit en global, président, je dis bien président, président du mouvement. Nouvelle génération. Ok, la famille, on est ensemble. Nouvelle génération 2020. Donc, préparez-vous, le président dit va nous donner le pouvoir 2020. Donc, il faut que la jeunesse se mobilise. Commençons maintenant à nous lever pour qu'en 2020, le pouvoir nous revienne. Voilà, parmi nous, là, on va choisir celui parmi nous qui a réussi, qui a su s'imposer pour la continuité des actions engagées par le chef de l'État. Donc, préparez-vous. Le temps des émotions, des colères, des injustes, c'est terminé. Il faut maintenant mettre, passer au travail. Le président Ouattara bosse, il travaille. Merci à vous tous. Merci, merci. Merci, merci, mille merci à vous tous. Merci, c'était le stade. En tout cas, un excellent boulot. J'ai vu de grands chantiers, j'ai vu des entreprises, j'ai vu beaucoup de choses. Oui, j'ai vu beaucoup de choses. C'est ce qui fait peur aux opposants. C'est de ça là que les opposants ont peur. Les opposants du président Ouattara ont peur de ça. Voilà de quoi ils ont peur. Parce que le monsieur, il bosse. Le monsieur bosse, le président bosse. Les gens veulent nous ramener dans des conflits inutiles, dans des palabres d'avant, où ils ont profité pour tuer nos parents, où ils ont profité pour créer le désordre dans ce pays, où ils ont profité pour créer le chômage, où ils ont profité pour créer des réfugiés, des orphelins. On ne va pas leur donner cette chance en 2020. Chacun de nous va parler, on va se parler. On va se parler parce que chacun aime ce pays à sa manière. Alors merci, encore merci, merci à vous tous. Moi, c'était Zasso Patrick, président du mouvement Nouvelle Génération 2020. Voilà. Merci à vous tous. Big up à vous tous. Ciao.